aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a fait depuis le départ. On va aller parler un peu ceux qui ont fait la programmation, un peu des conditions en fait. On va aller voir en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, ok, si ça arrive, qu'est-ce qui se passe finalement? Je vais faire un petit exemple assez simple par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on est sur notre third person blueprint. On va aller directement sur le third person character, parce qu'il y a déjà pas mal de stock là-dedans. Ça va nous aider à... C'est là qu'on gère les inputs qui sont en lien avec notre personnage surtout. Donc on va faire à peu près la même chose. On va aller plus haut. On va ajouter. Donc on pourrait ajouter un input quelconque. Où sont mes inputs? Inputs ici. Il veut pas me les donner au complet, je vais aller chercher, je vais juste aller sélectionner dedans pour un space ou quelque chose comme. Peut-être pas un space parce qu'on l'utilise déjà. J'utiliserai d'autres choses. Input. Keyboard events. Mettons qu'on appuie sur 1. Donc si on appuie sur 1, on va faire quelque chose avec ça. Donc on va se créer une variable ici, une variable qui va être un float, qu'on va appeler health par exemple pour avoir la vie. On va aller changer justement le type pour mettre en float. Pour ça peut être un integer, mais on n'utilise pas tant ça l'integer quand même là-dedans. Et là, on va le drag and drop. On va simplement le mettre sur get ici. Donc on va se dire, ok, il nous faut le health de départ. Après ça, on va le diminuer. On va le changer, on va le faire updater en fait. Et après ça, on va le comparer avec un résultat, savoir si on fait quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on va commencer par ça ici. On va arriver à faire notre négatif. Donc, le négatif, ce qu'on va faire, c'est un float moins float en fait. Donc, comme ça. Faites juste le signe moins, vous allez avoir celui-là, voir qui s'ajoute. On peut le diminuer de comme on veut. Là. On peut le diminuer de 10 par exemple. Et après ça, on peut. Simplement aller remettre la valeur de notre health qui est là. Donc set health comme ça. Donc on le get ici, on le set ici et on va aller après ça le comparer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que ce soit pluggable tout ça, que ce soit dans un état pas trop lamentable. Donc on set et après ça on va comparer. Donc la comparaison en fait, c'est tout ce que vous allez avoir comme comparateur mathématique. Vous allez avoir plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, n'est pas égal, égal, égal. Vous allez avoir plusieurs. Nous, ce qu'on va chercher, c'est le plus petit ou égal. Donc, vous voyez ici, on va lui demander, okay, si tu es plus petit ou égal à 100, ben, plus petit ou égal à 0, ben, tu vas être mort finalement, tout simplement. Donc, c'est un peu étrange d'appuyer sur 1 pour faire du dommage, on aurait pu faire autre chose, mais ce sera plus simple comme ça. Donc là, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est si cette condition-là va être vraie. Donc, comment on va aller chercher le setup de conditions, ça s'appelle un branch. Donc, on a ici notre condition. On va descendre comme ça, pouvoir tout brancher ça par la suite, là, parce qu'idéalement, il va falloir tout suivre, évidemment, le flow de notre code. Et après ça, en fait, on pourrait soit lancer une fonction. Nous, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement lui dire envoie-moi un texte, en fait. Donc, print string, hop. Et là, on pourrait lui dire qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. On va dire boom. Donc, vous voyez, ça le dit juste. Évidemment, on va lancer. Généralement, on va soit relancer le dernier checkpoint ou quelque chose comme ça si on arrive à 0. Mais c'est possible. Donc, je répète le code, c'est pas compliqué. Quand on appuie sur 1, en fait, on va changer le health donc, de moins 10 par rapport à ce qu'il est. Et après ça, on va vérifier s'il est plus petit que 0. S'il est rendu plus petit que 0, on pourrait lui dire OK, affiche le mot boom. Donc, si théoriquement, j'appuie 10 fois sur 1. Si je le mets par défaut à 100, je l'ai pas mis, j'ai pas mis de valeur par défaut. Faut que j'aille la mettre de l'autre côté. Sauvegarder, compiler. On va la mettre par défaut ici. Où est-elle? Je suis un peu rendu fatigué. On y va comme ça. Donc, mon third person character est ici. Je devrais avoir une barre de health ici. Donc, on va commencer à 100 et on va appuyer sur play.
Et si j'appuie sur 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et voilà, on a le boom qui apparaît dans le coin supérieur gauche. Donc, petite démo de comment faire une condition en fait.